Thank <music> you. Bonjour, euh, ben, hop. premier fail, non ça ne change pas, allez hop, à l'ancienne. Euh, ben, bonjour, hop. prochaine slide, euh, alors je me présente, je suis Cédric Yili. je vous ai mis sur la slide mon lien GitHub et mon, mon lien Twitter, aujourd'hui c'est X mais je préfère dire Twitter. Je suis pas très très actif sur Twitter, vous allez voir si vous allez sur mon compte, je pas beaucoup posté, mais je, je suis en train de m'y mettre petit à petit, donc n'hésitez pas à, à me solliciter et tout, il n'y a pas de souci. Alors, euh, moi, j'ai commencé le développement, euh, j'avais 16 ans, j'étais au lycée, j'ai commencé avec mon cousin et euh, on avait fait le site d'un membre de, 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 de ma famille euh, pour une agence, tout ça. C'était mon tout premier site à HTML et tout, c'est là où j'ai découvert tout, ce, tout, tout le monde du développement. Et aujourd'hui, je suis ingénieur PHP chez Equino. J'ai euh, deux canards. Euh, je suis en train de faire ma toute première présentation. Un peu de stress du coup. Et donc voilà. Euh, mes collègues ils ont tendance à dire que je parle beaucoup de, de mes cousins, de mes cousines, mes tantes, mes tontons, mes canards. Je parle beaucoup de Yvan. Alors Yvan, c'est ma voiture. Elle a un nom. Elle mérite un nom. Les gens qui donnent pas de nom à leur voiture, euh, c'est un crime. Du coup, ouais, si vous voulez entendre ces histoires-là, ces, ces folles anecdotes fascinantes sur, euh, sur toutes toute ces personnes-là, ben, n'hésitez pas à postuler chez Kino, on recrute en ce moment. Slide suivante. Non? Oui. Alors, pourquoi je suis ici? Alors, moi, je suis venu ici. Du coup, faut changer la slide. Euh, je suis venu ici pour vous parler des objets immutables. Je vais vous parler de mon expérience avec euh, les objets euh, immutables, du coup. Euh, juste comme ça, vous, qui connaît les objets mutables dans la salle? Ah, voilà, main levée. Qui en a juste entendu parler, mais sans plus? Ah ouais, quand même. bien. Un bon public. <laughs> Donc ça, c'est la définition Wikipédia des objets mutables. Donc Wikipédia, il nous dit quoi? Il nous dit qu'en programmation orientée à objet et en programmation fonctionnelle, un objet mutable, c'est un objet qui ne change pas d'état après sa création. Il nous dit même, c'est un objet qui ne peut pas changer d'état après sa création. Et il dit que c'est le contraire d'un objet mutable. Bon, le fait que ça soit le contraire de l'objet mutable, on s'en foutait un peu et on, ça, c'était un peu évident. Mais le, moi, quand la première fois que j'ai lu cette définition, en fait, j'ai eu cette réaction c'est le qui ne peut pas changer après sa création. Je ne voyais pas trop l'intérêt d'avoir un objet qu'on qu bloque et qu'on ne peut pas changer en fait après. Surtout que l'avantage qu'on a quand on fait du de la programmation et du développement c'est que, bah, en fait, on peut faire muter les objets, on peut faire grémenter les, les variables de 1, enfin, ça, ça donne une puissance au développement. Et là, on est en train de se tirer une balle dans le pied, et on veut pas que ça change. Je me dis, mais il y a des constantes aussi, c'est fait pour ne pas changer. On peut utiliser des constantes peut-être, mais je voyais pas trop l'intérêt. Et je comprenais pas, euh, ça, je voyais pas cette définition, je voyais pas trop à quoi ça servait. Donc voilà. Donc ouais, pourquoi je suis ici En fait, je vous ai menti. Je vous ai dit que j'étais venu ici pour, pour partager mon expérience avec les objets mutables. Mais euh, je vais plutôt vous partager mon expérience sans les objets immutables. Euh, pourquoi En fait, c'est simple, c'est que moi j'ai appris les objets mutables très tard dans ma carrière. Et, euh, et euh, en fait, j'ai compris que pour mieux comprendre les objets mutables, la définition est simple, c'est un objet qui ne peut pas changer, en fait, c'est juste ça. Donc, il euh, n'y a pas de souci, je pense qu'on peut tous faire des objets immutables. Mais pour voir l'intérêt et à quoi ça sert, le mieux c'est de, de, de savoir comment ça se passe quand on ne les avait pas avant, enfin, quand on les utilisait pas. Et, euh, et pour voir pourquoi c'est important, le mieux c'est de ne pas les avoir, en fait. Euh, du coup, je vais vous parler d'un projet que j'ai fait euh, dans ma... étant plus jeune. Et euh, j'ai mis un petit disclaimer donc là, ça va être, je vais vous parler de enfin, la, la conférence, ça va être une reconstitution de faits réel. C'est euh, un vrai projet avec un vrai client, tout ça derrière. Euh, bon, j'ai un peu romancé, ouais. j'ai un peu romancé pour que ça soit un peu drôle. Donc aussi, euh, si le client il me voit, euh, s'il te plaît, c'est juste pour rire. Et euh, ouais, pour des questions de confidentialité et tout, j'ai fait beaucoup de changements et donc c'est pas euh, mot pour mot euh, ce qui s'est passé. Donc il euh, y a des choses qui vont pas être très euh, évidentes. Donc euh, des fois, on va faire appel à la créativité, l'imagination, etc. Donc en fait là, ce qu'on va faire, on va s'imaginer sur un projet avec plein de features, avec plein de trucs, et on va ajouter une nouvelle feature à ce projet-là. Cette feature, c'est quoi Alors ça va être, euh, on, va, on va travailler avec des événements. On va, enfin, on va rajouter des événements au projet. Les événements, ils vont avoir quoi? Il va avoir quatre propriétés importantes. La date de début, une durée, une récurrence et l'événement parent, ce qui sera optionnel. Quand, en fait, le cas où c'est l'événement original, il y aura pas de parent. On va aussi avoir besoin d'un cron job. Donc, pour faire simple, un cron job, c'est quoi? C'est une commande qui se lance, on le configure et elle se lance tous les X jours, mois, années, enfin, minutes, secondes même. Voilà. Ce cron job là, il va faire, il va renouveler les événements qui sont à renouveler, tout simplement. Et, bon, la petite phrase, elle est un peu, un peu chaude. Mais en fait, euh, en gros, au moment où on renouvelle l'événement, on ne sait pas à quelle date on le renouvelle. Du coup, quand on va vouloir calculer la date de début de l'événement, on ne peut pas le faire par rapport, enfin, relativement à la date de, du moment où c'est lancé. En fait, on, on en vrai, <laughs> on s'en fout. pas. Je n'ai pas fini l'explication. C'est pas très important, mais vous allez voir de toute façon. Donc ça, c'est euh, un schéma de ce qui va se passer. On va, en gros, on va avoir un événement original. Quand il va passer par le renew cron, on, éven... enfin, on aura deux événements. On aura toujours l'événement original. Et euh, un nouvel événement qui sera créé et euh, la slide suivante. Donc on aura, ça va donner ça en fait avec des données. On aura euh, l'événement original avec la, qui, aura pour la date, qui aura pour date le 1er janvier 2023, euh, une durée de d'un jour, une récurrence de trois mois et pas de parents parce que c'est l'événement original. Quand cet événement-là il va passer par le renew cron, il y aura toujours l'événement original avec le 1er janvier, la, la durée d'un jour et les trois mois de récurrence et pas de parents. Et il va, on va avoir un nouvel événement qui va commencer le 1er avril, donc trois mois après le 1er qui aura la même durée, donc durée d'un jour et la même récurrence de trois mois, et qui aura comme événement par an l'événement original. Voilà, bon, c'est rien de très fou, ça va être, ça va être très simple. Et là, c'est, bon, comme on est à la FUP et que c'est du PHP, là, je vous ai mis euh, à quoi ça, enfin, le code que, que j'avais écrit à l'époque, plus ou moins. Et en PHP, du coup, on a un objet recurrent event, qui a les quatre propriétés. Là, j'utilise les, les nouveautés de PHP 8, les constructeurs de propriétés promotion, c'est cool, ça fait des slides plus courts. Et euh, du coup, on aura la date time en start On a une durée en date intervalle et une récurrence en date intervalle et euh, le le parent event qui est un récurrent event et je vous ai mis à droite le comment on fait pour euh, initier l'objet. Voilà, c'est cadeau. Et là on a la cron commande. Du coup la cron commande, on aura euh, en entrée, on a une, une méthode renew event qui va prendre en paramètre un tableau d'événements qui va être envoyé par notre service, pas très important. On va boucler sur tous les événements et on va les faire passer par une méthode privée renew et la méthode privée renew elle va faire quoi elle va créer l'événement le nouvel événement à partir des informations de l'événement parent et du coup elle va prendre la date elle va lui ajouter la récurrence pour calculer la nouvelle date elle va récupérer la même durée la même récurrence et elle va elle va set en tant qu'événement parent euh, l'événement parent voilà donc voilà c'est le code que j'ai écrit c'était plus ou moins ce que j'avais fait j'ai vérifié, enfin j'ai testé et tout, les événements qui étaient créés ils avaient les bonnes dates, il y avait les bonnes informations et tout, c'était très bien. Donc je me suis dit c'est cool, j'ai déployé ça. J'ai demandé au client de tester, le client il avait testé, il dit ouais, ben, c'est top, ça marche, il était content. Moi j'étais content, on était tous contents, c'était la folie. Et euh, le truc c'est que ben, quelques jours plus tard, il y a le client qui vient me voir. Donc ça c'est le GIF du client qui vient me voir. J'aime les canards aussi, je vous l'avais dit, mais il y en aura beaucoup. Donc voilà, euh, le client il vient me voir. Et il nous dit que il bah, y a un truc qui se passe pas bien. J'ai des problèmes avec les dates. Les dates de mes anciens événements, ils ont changé. Tu vois, il me dit ça mais Je lui dis bah, mais, "Ok, mais, mais moi j'ai pas touché à tes anciens événements." Il m'a dit "Moi non plus." <laughs> Donc euh, d'où ça vient Et euh, j'ai un peu investigué, j'ai un peu recherché et tout. Et euh, bah, vous en vous en doutez, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de code, mais ça venait du cron commande. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand l'événement original il passait par le renew cron, euh, le nouvel événement créé, il était bon. Et c'est celui-là que j'avais testé. Mais l'événement original, il changeait et il avait comme date de début la, le, le 1er avril, la même date que l'événement euh, créé. Et euh, du coup, j'ai investigué, j'ai regardé pourquoi et tout. Et euh, j'ai compris, finalement, c'est pour ça que je suis là. Et avant de voir euh, ce qui s'est passé, on va faire quelques petits prérequis. Ça va être très simple, ne vous en faites pas. Premier, euh, premier petit euh, prérequis, c'est que en, en PHP, les objets sont passés par référence par défaut. C'est-à-dire que si vous avez une méthode... Et qu'elle prend un objet en paramètre. Cet objet-là, il est passé par référence. C'est pas totalement vrai. Euh, vous irez voir dans la doc de PHP, il l'explique. Mais pour nous, on va dire que c'est comme ça. Les objets sont passés par référence par défaut. Donc voilà. Déjà, première chose. Et euh, nous, dans notre méthode, dans notre job, on va euh, au, à notre méthode renew au niveau du numéro 1, en haut. On lui passe euh, l'objet par un Du coup, pardon. Au niveau du numéro 2, on le récupère. Et euh, cet, cet événement-là, il est passé par référence. C'est-à-dire que si dans le 2, dans le renew on modifie notre parent event, ben on va le modifier par référence, donc on va le modifier dans là aussi. Voilà, petit premier prérequis, il est passé. Deuxième petit prérequis, c'est DateTimeAdd. Ça c'est la, la doc PHP du DateTimeAdd. Alors elle nous dit quoi Elle nous dit que le, le date, quand on fait un DateTimeAdd PHP, il va modifier l'objet DateTime et il va lui ajouter le nombre de jours, mois, années, heures, minutes, secondes euh, qu'on lui passe en paramètre à notre objet. Et en return de valeur, il va nous retourner l'objet DateTime pour qu'on puisse chaîner. Et nous, dans notre, dans notre slide de suivante, <laughs> au niveau du numéro 3 que j'ai rajouté, on voit que, on fait un start-up et en fait, on a, on a, au moment où on fait ce add-là, ce qui se passe, c'est que PHP, il va modifier le parent event start-up, il va lui ajouter le, mont, le, le montant de jour, mois, année, minutes, secondes, qu'on lui passe dans le recurrence interval, il va, il va le modifier du coup par référence et il va nous retourner le même objet date time, le même objet date. Time, pardon. Et en fait on va se retrouver à avoir dans notre new event et dans notre parent event le même objet date time. Et on va se retrouver à un moment où si on modifie la date de l'enfant, on va modifier la date de parent, si on modifie la date du parent, on va modifier la date de l'enfant, parce que c'est par référence, etc. etc. Et euh, du coup c'est à cet endroit-là qu'on modifie la date du parent. Euh, donc maintenant on sait d'où vient le problème. Euh, maintenant, il va falloir le corriger parce que le client, il l'attend depuis tout à l'heure. Et euh, juste euh, là, comme ça, vous voyez un peu qu'est-ce qu'on peut faire comme correction rapidement euh, sans sans utiliser une limitabilité. Est-ce que vous avez des idées bon, J'entends pas beaucoup le public, en fait. Mais non, on peut pas. C'est limitable, ça marche pas. T'es Tu T'es en train de me niquer, de me niquer mon. Ben, en fait, la, 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 ce que j'avais trouvé, j'ai même pas réfléchi, c'est d'utiliser de, des clones. Et euh, bon, c'est très simple, vous allez voir. Du coup, ça donne ça. En fait, ce qu'on va faire, avant de faire notre nouveau recurrent event on va cloner la date du parent. On va le stocker dans une variable connedparentstartdate, j'oubliais. Ouais. Et euh, ce, qui, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir deux objets datetime qui vont avoir les mêmes valeurs. Et, euh, le seul truc, c'est qu'ils ont des références différentes, en fait. Et du coup. Ils ont un cycle de vie différent, etc., etc. Du coup, si on modifie l'un, on modifie plus l'autre. Et on va utiliser le clone pour, euh, à ce clone-là, on va lui ajouter la, la récurrence, enfin, l'intervalle de récurrence, et on va set ce clone-là en tant que, euh, le, en tant que date pour l'événement enfant. Voilà. Bon, c'est, très bien. C'est une solution qui a très bien marché. Là. Je, ça, ça a pris quelques minutes. Je l'ai envoyé. Et le client il était content cette fois-ci parce que ça marchait. Et euh, bah, le problème, c'est que le problème que j'ai eu avec cette solution, c'est que en fait, je me suis rendu compte après coup que bah, un peu comme sur le GIF, j'ai mis un coup de scotch pour réparer une grosse fissure, mais euh, immense. <laughs> et euh, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, sur le projet, les événements, on les utilisait partout. Il y avait des endroits, par exemple, où on devait afficher la date de fin d'un événement. Et du coup, si je vous demande d'afficher la date de fin d'un événement, il y a de fortes chances que vous faites euh, un event start at add. Vous ajoutez la durée et vous le formatez en langage humain pour qu'on comprenne ce que c'est comme date. Et là en fait ce qui va se passer c'est que vous avez modifié votre start-up et si après ça vous faites un save, du coup on se retrouve avec des erreurs partout, enfin pas des erreurs mais avec des dates, des dates qui sont à nouveau fausses, et ça on peut pas le faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un clone. Donc ce qu'on va faire, on va cloner la date avant et on va, on va, on va faire les traitements sur la, 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 le, le clone. Et euh, en fait, on, nous, on a des événements partout, on va devoir afficher la date de fin du prochain, du prochain événement, par exemple, sans le renouveler. Du coup, il faut qu'on lui ajoute la récurrence et la, et la durée. On va devoir cloner, on va devoir calculer, si vérifier si l'événement A, il commence les trois jours qui suivent l'événement B. Mais pareil, il faut qu'on clone une des deux dates, qu'on lui rajoute trois jours et qu'on compare. Et en fait, on s'est retrouvé à, à cloner, 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 pour tout et n'importe quoi, on faisait des clones. Et euh, en fait, on s'est retrouvé avec des effets de bord. Bon, les effets de bord, c'est quoi? C'est très simple, c'est que quand on modifie un truc dans une brique quelque part du projet, et on se retrouve avec des effets indésirables ailleurs dans le projet, euh, voilà, des effets de bord. Et euh, c'est très, très chiant quand on en a. Et euh, on ne peut pas le corriger avec des clones, ça ne marche pas. J'ai essayé. <laughs> Donc, euh, bah, du coup, c'est euh, quoi la, la vraie solution à ça? En fait, avant de chercher la vraie solution, il faut qu'on trouve le vrai problème qu'il y a derrière. Moi, je pensais que le problème qu'on avait quand Enfin, le problème qu'on avait, c'était que quand on, modifie, quand on renouvelle les événements, on va, on va modifier la date de l'événement original. Je pensais que c'était juste ça le problème, que j'ai cloné, que j'ai réparé. Mais en fait, le problème, il était un peu plus profond. C'est qu'à chaque fois qu'on va faire des opérations sur nos dates, sur les dates de, de notre événement, on a tendance à modifier la date directement et on se retrouve avec des, des effets indésirables partout. Et on, maintenant qu'on connaît le vrai problème, en fait, la vraie solution, du coup, c'est l'imitabilité. Merci. Et, euh, et voilà. Le problème, c'est que enfin, ce qui s'est passé dans la vraie vie, c'est que entre temps, j'ai quitté le projet, j'ai changé de boîte et tout. J'ai une nouvelle vie maintenant. Et euh, du coup, j'ai jamais pu euh, appliquer l'imitabilité sur ce projet-là. Donc là, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer sur un projet qu'on a récupéré de notre entreprise, un truc comme ça qui a été codé sans immutabilité du coup et on va corriger tous ces problèmes là qu'on a eu. Mais avant de avant de, de se lancer là dedans, je vous ai dit que mes collègues ils aimaient que je raconte des anecdotes sur ma vie. Je vais vous raconter ma, ma superbe rencontre avec l'immutabilité. C'est une histoire folle, vous allez voir. Alors j'ai rencontré l'immutabilité euh, chez Ekinoo en 2021. Euh, je venais, je, je venais d'arriver chez Ekinoo chez et il y a un truc qui est très qui est hyper cool chez Ekinoo, c'est qu'on a deux talks en interne. Et ça va permettre aux gens d'apprendre un nouveau sujet, de le partager avec ses collègues, d'augmenter le niveau de compétences. Et ça nous apprend aussi à, ça nous forme au métier de speaker aussi. Parce que je suis en train de faire, là. Et, euh, du coup, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que, on a une, on a un fichier Excel avec des listes de, une liste de sujets qu qui qui, qui est intéressante à traiter. Et, euh, moi, j'ai, comme ça m'intéressait d'être speaker, tout ça. J'étais allé fouiller dans ce fichier-là. Et j'avais vu une ligne, il y avait écrit objet mutable. Et elle m'a attiré. Parce qu'elle était très courte, ça tenait en deux mots. Je me suis dit c'est facile, il y a deux mots. Non. <laughs> et du coup je me suis dit vas-y, on va prendre le sujet, je vais faire de mon premier talk là-dessus en interne, c'est entre nous de toute façon, ça va bien se passer et tout. Et euh, du coup euh, j'ai essayé d'apprendre l'imitabilité. La, la, j'ai lu la définition Wikipédia, ben, je n'ai pas compris l'intérêt. J'ai écouté beaucoup de, enfin, j'ai lu beaucoup, j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai écouté beaucoup de talks, de conférences là-dessus, mais pareil, j en fait euh, les gens ils expliquaient comment on fait pour rendre un objet mutable, mais jamais pourquoi il faut le faire. Et euh, je connaissais je enfin je connaissais vraiment pas je comprenais vraiment pas pourquoi le, pourquoi on veut des objets qui qui changent pas. Du coup euh, je me suis dit voilà, ça a l'air d'être un truc trop compliqué et on verra plus tard, je me je me sur mon projet et je verrai ça plus tard. Voilà, ça c'est ma, ma rencontre. Il y a une saison 2 à ça. La saison 2 c'est en 2022 donc euh, plus ou moins un an après. Euh, je cherchais un article à écrire euh, pour le pour le blog de Ekino. Je savais pas trop sur quoi écrire. Et j'ai un de mes collègues qui m'a dit ouais ça serait bien que tu écrives un article sur l'immutabilité ça, ça va être super intéressant et tout. Le truc c'est que moi je n'ai parlé à personne que j'avais déjà cherché l'immutabilité et tout ce que c'était et j'avais j'ai eu l'impression que bah, que le sujet il me hantait, qu'il me suivait partout. En plus je me suis dit c'est trop compliqué, j'ai pas encore le niveau et tout. Je, je me disais non c'est mort, je vais pas écrire cet article là. Et en fait quand il m'a dit ça, je me suis fait une petite rétrospective de moi-même et je me suis rendu compte que en vrai la, la timeline c'est plus celle-là c'est qu'entre 2021 et 2022, il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, euh, j'ai lu beaucoup d'articles, de, de talks, j'ai vu beaucoup de conférences et tout, sur, sur pas sur l'immutabilité, mais sur plein de sujets qui englobent tout ça. Et euh, j'ai parlé avec mes collègues, j'ai suivi les bonnes pratiques de l'équino, j'ai euh, beaucoup pratiqué aussi. Et je me suis rendu compte que j'ai compris l'immutabilité, mais sans me rendre compte que je l'avais compris, en fait, parce que c'est simple. <laughs> du coup, maintenant qu'on a fini avec ma rencontre avec l'immutabilité, on va corriger nos problèmes. Du coup, euh, là, c'est un petit rappel de, du projet qu'on avait. Donc, on a des, des événements originales, le cron job, et on a des événements original plus un nouvel événement. Voilà. C'est très simple. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va, on va reprendre le même code, mais on va faire un seul petit changement. On va remplacer tous nos deux objets datetime -ti, dat par des objets datetime immutable. Euh, du coup, datetime immutable, c'est quoi? Même le datetime immutable, je savais pas avoir à l'époque. Hein. Pour vous dire, je viens de loin. Hein. Donc ça c'est la définition de PHP sur le DateTime immutable, il nous dit quoi il, me dit, il nous dit que l'objet DateTime immutable, c'est un objet qui a le même comportement que le DateTime sauf que au lieu de modifier l'objet, il va retourner un objet modifié. Et du coup le DateTime immutable add, la définition, il nous dit qu'il va retourner un nouvel objet avec le, le montant du jour, mois, année, minute, seconde, heure passé en paramètre. Et en fait là, du coup on ben, pardon, un peu trop vite. Là c'est euh, du coup j'ai remplacé mon objet datetime par datetime immutable et je vous ai mis à droite comment on fait pour initier l'objet. Donc on fait un new datetime immutable au lieu de new datetime, ça va, c'est pas des changements de fou. Et là c'est le cron command et en fait le cron command c'est le même qu'on avait au début. Le, en fait ce qui va se passer c'est que maintenant quand on va faire le parent, parent event start at add euh, vu qu'il va pas modifier le parent event start at mais il va il va retourner un objet modifié. On modifie plus le parent event start et du coup on n'a plus de problème de ouais quand je modifie la date du parent, il y a la date de l'enfant qui est modifiée. C'est bon, on a corrigé le souci en deux lignes de code modifiées. Et euh, on va faire l'épreuve des poteaux. Si on demande à, à, à une personne d'afficher la date de fin d'un événement, elle peut faire un event start add, il ajoute la durée, format en langage humain. Et il euh, n'y a pas de souci, on peut faire des save après, il n'y a pas de souci euh, vu qu'il va retourner un objet modifié, tout ça. Donc euh, c'est une bonne solution. J'ai pas fait les deux autres trucs de euh, vérifier si c'est trois jours après et tout parce que c'est trop long, mais croyez-moi ça marche, je vous promets. Pour bon, maintenant on a rendu nos dates immutables, et moi je suis venu ici pour parler d'objets mutables. Donc euh, pourquoi déjà En fait au final euh, le DateTime ça reste un objet en PHP, donc c'est à dire que tous les comportements qu'on a sur le DateTime on va les avoir aussi sur les objets et tous les effets de bord qu'on a dû au DateTime. On va aussi les avoir sur les objets. Et euh, du coup, si on a besoin d'avoir des data immutables, ça veut dire qu'on a aussi besoin d'avoir des objets mutables. Et là, je vous ai mis des canards parce qu'ils se ressemblent tous. Je vous ai dit qu'il aimait les canards. <laughs> euh, avant de parler d'objets mutables, on va faire un petit upgrade de notre code. Alors, pour ceux qui se rappellent, ça, c'est le client qui vient nous voir. Donc là, le client il vient nous voir et il va nous demander une nouvelle feature. Il dit qu'il a, um, a envie de gagner de l'argent. Et euh, du coup, il veut rendre les événements payants. Et euh, il dit... Par contre, moi, je travaillais à l'international. J'ai besoin de gérer des monnaies différentes. Je veux gérer du dollar, de, de l'euro, etc. etc. Et du coup, pour faire ça, nous, ce qu'on va faire, on va utiliser les Object Value. Ça va nous permettre d'avoir un objet où il y a toute la logique dé, dédiée aux objets dans, dans, ce, dans cet objet-là. Et du coup, ça va donné ça. Donc là, on a notre objet euh, Price. Il va avoir euh, trois, trois propriétés, le Value, la Currency, qui est un enum, et la Précision. Bon, Le Value et Précision, c'est pour éviter d'avoir des, euh, des flottants. C'est un petit tips, voilà, gratuit. <laughs> Et on va modifier notre événement euh, récurrent. Du coup, on va lui ajouter euh, la propriété price. Et là, je vous ai mis à droite comment on fait pour initier un objet avec euh, à 12 euros. Ouais, pas très cher, ça va. Et on va modifier notre cron commande. On va ajouter au niveau du renew la propriété price pour passer le prix du parent à l'enfant. Voilà, c'est bon. On a, on a développé la feature, on est bien. Et là, le client il vient nous voir, il nous dit non mais euh, je vous ai dit plus d'argent. Là, je gagne pas assez, il dit. Du coup, il dit, ouais, j'ai envie qu'à chaque fois qu'on renouvelle les événements, on augmente le prix de l'événement. Il va faire de l'inflation, le gars. Donc ouais. Euh, mais ok, il bah, n'y a pas de souci. Du coup, ce qu'on va faire, on va être très simple. Après le renew en haut, ce qu'on va faire, on va faire un price value plus plus. On va incrémenter la valeur de 1 du prix. Et du coup, nos prix ils sont plus élevés. Et c'est bon, on répond à la demande. Voilà. Et là, euh, on s'est fait avoir. Pourquoi on s'est fait avoir en fait, c'est le même. C'est ce que je disais. Les objets data time, c est, c est, ça reste des objets. Et du coup, on a eu les mêmes problèmes qu'on a eu avec les data plus euh, avant. Et euh, en fait, ce qui s'est passé au niveau du 1 en bas, on a, on a passé le prix du parent à l'objet enfant par référence toujours, parce que les objets sont passés par référence. Et ça, ça veut dire que si on modifie le prix du parent, on modifie aussi le prix de l'enfant. Et si on modifie le prix de l'enfant, on modifie aussi le, le prix du parent. Elles sont dures ces phrases. Et au niveau du 2 en haut, on fait quoi On modifie le prix de l'enfant pour lui rajouter le plus 1. Et du coup, on se retrouve à modifier aussi le prix du parent parce qu'ils sont par référence, parce qu'on a le même objet en fait qui est partagé. Du coup, pour corriger ça, qu'est-ce qu'on va faire oh, Vous ne suivez pas là. On va, on va utiliser l'imitabilité. Elle s'appelle comment ma conf donc, euh, petit rappel de la définition Wikipédia, euh, elle nous dit que, pour faire simple, un objet mutable, c'est un objet qui ne peut pas changer d'état après sa création. Donc, en fait, ce qu'on va vouloir, c'est un objet qu'on peut initier, mais une fois qu'il est initié, il ne change plus, il bouge plus. Il est immutable. Et euh, pour faire ça, euh, merci PHP, euh, les dernières versions, il y a un truc qui est super cool, c'est les et pour les classes en read-only. Bon, faire attention, read-only, ça ne veut pas dire immutable, ça ne marche pas à tous les coups, mais dans notre cas, là, ça marche. Donc, euh, ce qu'on va faire, on va passer notre prix en read-only. Et ce qui va se passer, c'est que, une fois qu'on a initié l'objet, comme c'est du read-only, si on essaie de modifier une des propriétés de l'objet, PHP va nous péter une erreur et ça va ça pas marcher. Donc, on va avoir un objet qu'on va pouvoir initier, mais qu'on ne pourra pas modifier et c'est ce qu'on veut. Donc, on a juste ajouté un read-only juste avant. Mais maintenant qu'on a mis notre prix en read-only, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on peut plus faire de value++ parce que quand on fait un value++, PHP va assigner une nouvelle valeur de prix à notre objet et ça, ça, nous fait, ça va nous faire une erreur. Du coup, ce qu'on est obligé de faire, c'est un new event price, et, euh, et c'est égal à un nouveau prix. On va devoir créer un nouvel objet prix à partir de, des informations de, du prix précédent. Et du coup, euh, le prix précédent value plus 1, on peut pas faire plus plus. Et euh, la même currency et la même précision. Euh, bon, vous avez vu tout à l'heure, c'est un peu dégueulasse, un new price, comme ça les longues, les lignes sont hyper longues et tout. Du coup, on va s'attaquer à la DX maintenant. On va augmenter la DX. Alors euh, pour, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on avait appris à faire des objets, on avait, nous avait appris les getters et les setters. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris. Un objet, chaque propriété, getter, setter. Maintenant, on va faire un nouveau truc qui est cool, c'est les wizards. Et euh, ça a rien à voir avec le monstre sur Minecraft. Je sais pas s'il y a des joueurs, mais euh, je vous assure, ça va être plus sympa. En fait, un wizard, c'est quoi C'est comme les setters, sauf que c'est pour les objets immutables. Et on va pas, au lieu de, de modifier l'objet. On va retourner un objet modifié, un peu comme Dead Et du coup, ce qu'on va faire, on va faire un with par propriété. With value, with currency, with précision. Et on va passer en paramètre value, currency, précision. Et bon, je vais rester sur le value parce que ça, ça va être trop chiant de répéter. Et ce qu'on va faire, on va faire un retour new self. Donc self, ça va retourner un nouvel objet pris. Et on va lui passer comme paramètre le value qu'on a passé en paramètre. Et on va lui donner la currency et la précision qu'on avait initialement. Et là, du coup, on se retrouve avec un autre objet pris. Qui a comme valeur celle qu'on veut. Et ensuite, on, on change du coup dans notre, sur notre code. Au lieu de faire un price new price tout ça, on fait un price with value et on prend le value plus simple. Moi, je suis resté dans les basiques, dans les très simples. Enfin, c'est très simple. Mais en vrai, on c'est un peu comme des setters. On peut faire des setters custom et tout. Ça, ça, ça marche vraiment pareil. Là, on aurait très bien pu faire un with value incremented by one, par exemple. Mais je voulais, c'est pas l'objet de la conférence, du coup, voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a vu euh, comment on fait pour rendre des objets mutables et euh, pourquoi il faut les rendre mutables, il y a deux choses importantes à savoir sur la C'est La première, c'est que pour avoir un objet mutable, il faut que toutes les, propriét toutes les propriétés de l'objet soient immutables aussi. Et euh, la deuxième chose, c'est que les data immutables ne sont pas immutables. Un peu moins important, mais euh, c'est fun à avoir. Donc, premier truc, c'est que les objets mutables doivent avoir des propriétés immutables. Pourquoi Là, je vous ai fait un objet user que j'ai mis en redonnie d'ailleurs pour vous prouver que ça ne pas dire qui a deux propriétés. Il a une propriété email et une propriété euh, created date, Et euh, du coup, ce qui va se passer, c'est que si on initie un nouvel user avec une, un email et une date, euh, quand on va vouloir assigner une valeur d'email de, à notre user, PHP va nous faire une erreur. Quand on va vouloir assigner une nouvelle, une nouvelle date, c'est-à-dire que si on fait flèche created date égale new time, quelque chose, ça va péter une erreur parce qu'on peut pas assigner de nouvelles valeurs. Par contre, si on fait un frais flèche create date modify plus un jour, ça va marcher et ça va modifier notre date en plus de marcher. Donc, ça fait que notre objet user il est pas immutable vu que la date de création peut muter. Et en gros, du coup, ce qu'il faut faire c'est qu'il faut, faut utiliser des propriétés mutables, donc il faut utiliser des dates time immutable. Et là, dans ce cas-là, ce qui va se passer c'est qu'on peut toujours pas faire assigner de nouvelles valeurs. Ça va péter une erreur parce que c'est du read only. Et quand on va faire le modify, ça va pas faire une erreur. Mais ça n'a pas modifié notre créative date, ça va retourner un, non, un nouvel objet datetime immutable modifié. Et du coup, notre objet là il est vraiment immutable. Voilà. Et le deuxième truc, c'est que les dates euh, les dates immutables ne sont pas immutables. Bon, c'est un petit fun fact, euh, voilà. Mais euh, il se trouve que le, le, notre objet datetime immutable, il, euh, il a un constructeur qui est public. Et en fait, pour, pour, c'est pour ça qu'on va faire un new datetime immutable avec la propriété. Et euh, le constructeur en PHP, ça reste une méthode comme les autres, et on peut très bien réappeler le constructeur avec une nouvelle valeur et faire muter notre date, et euh, du coup ça marche. Bon, j'avoue que c'est pas une, une utilisation très conventionnelle, mais voilà, c'est un petit truc marrant à apprendre. Et euh, du coup, si vous voulez vraiment pousser l'imitabilité très très loin, vous pouvez faire euh, des constructeurs privés, ça va faire que vous pouvez plus faire de new, mais ça fait que vous pouvez pas faire de flèche constructe non plus, et euh, vu que vous pouvez plus faire de new, vous pouvez plus initier votre objet, et vous allez faire un... Euh, ah, j'ai oublié le nom. Euh, vous allez faire une méthode statique create euh, et c'est cette méthode statique là que vous allez pouvoir appeler à l'extérieur pour initier votre objet. Du coup, ça va faire comme j'ai mis sur la slide en haut. Voilà, petit, tips, petit truc sympa à savoir. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, euh, vous allez me poser une question c'est quand est-ce que quand est-ce que je dois convertir mes objets mutables en bon objet immutable Ça c'est la question que vous êtes tous en train de vous poser. Et euh, en fait, c'est pas vraiment la bonne question à se poser. Il faut plutôt se poser la question contraire, c'est quand est-ce que il faut que je convertisse un objet mutable en un objet mutable En fait, partez du principe qu'en fait votre conception partez du principe que tous vos objets sont immutables par défaut. Conceptualisez tous vos objets par défaut en immutable. et euh, s'il y a besoin, vous allez transformer les transformer en un objet mutable. Pourquoi en, euh, Si vous faites comme ça, vous allez appliquer les principes de defensive programming, et vous allez voir que vous allez vous éviter beaucoup d'effets de bord. Ça va, ça va vous permettre de, de renforcer la ah, La... oh, j'oublie mon mot. Bon. C'est très cool, fait comme ça. <laughs> Croyez-moi. Euh, du coup, quand est-ce qu'il faut rendre un objet mutable mutable euh, Ben, enfin, il n'y a pas de réponse toute faite non plus. C'est un peu du cas par cas. Moi, le seul truc que je peux vous apporter, c'est que. La plupart du temps, quand on fait du code, on a tendance à modéliser des objets de la vie réelle ou des, des services de la vie réelle et tout. Et le plus simple, c'est de se baser sur ce qui se passe dans la vie réelle. Si dans la vie réelle, par exemple, on a un utilisateur qui s'appelle John Doe et que John Doe il change d'adresse mail, mais John Doe il reste John Doe, c'est pas un nouveau John Doe c'est pas une autre une nouvelle personne. Et du coup, ça veut dire que si on a un objet user, on, notre objet user doit pouvoir muter pour qu'il puisse changer son adresse mail. Et euh, si on prend l'exemple du prix qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, le prix. Euh, quand on a un prix à 12 euros et qu'on le modifie, bah, et qu'on qu a un prix à 13 euros, bah, c'est deux prix différents. On a créé un nouveau prix, en fait. Du coup, ça veut dire que notre, notre prix doit être immutable. Et de manière générale, de toute façon, les value objects doivent être immutables. J'ai triché pour la conf, mais voilà. Et je vous ai mis en bas de la slide, vous, voyez, vous pouvez vous intéresser un peu à, au domaine Drive and Design, au DDD. Euh, pourquoi En fait, ce qui est intéressant quand on fait du DDD, c'est qu'on a tendance à, à être proche du métier et du coup, modéliser vraiment, enfin, pas vraiment, mais... Mieux modéliser la vie réelle et du coup on a tendance à faire ses choix plus facilement en se basant sur la vie réelle. Voilà. Euh, voilà. Bon, c'est la fin de ma conférence. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai dit que j'ai enfin, écrit sur la slide que c'est le début de votre curiosité parce que là on a juste vu un petit truc sur l'imitabilité, mais euh, il y a plein de choses qui gravitent autour. Je vous ai mis plein de références sur les, sur les slides et tout et euh, beaucoup de choses intéressantes à, à voir sur ces sujets-là. Et voilà. Merci. Il nous reste un peu de temps pour des questions. Salut, merci. Euh, alors j'avais une question sur euh, les constructeurs que tu peux rappeler. Est-ce que tu sais, si, ton, si ta classe elle est read-only, est-ce que tu peux appeler ton constructeur sur un objet qui est déjà créé ben, euh, Quand ta classe elle est en read non, parce que quand tu vas appeler ton constructeur, tu vas essayer de... Ça dépend de ce que tu fais dans ton constructeur. Si as un constructeur qui est vide, qui fait rien, oui. Oui, oui. Mais euh, vu qu'en général, dans ton constructeur, tu vas assigner de nouvelles valeurs à tes objets, tu vas te retrouver à faire un peu comme dans le user email euh, égal email, et ça va pas marcher. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans ma dans ma slide, j'ai pas utilisé un objet en read only parce que ça marche pas. Ouais, ça. dans mon cas. Okay, donc donc ouais, quand, quand on est, euh, c'est l'avantage des nouvelles euh, Merci PHP encore une fois. Le read only, c'est c'est vraiment pas mal. <laughs> ok. Et du coup. Petite deuxième question, euh, ouais. slash remarque. Euh, Est-ce que tu as regardé du côté de Psalm, qui est un analyseur statique qui, qui te permet de mettre des annotations Psalm immutable sur tes objets et qui te pète des erreurs euh, si tes ouais. objets ne sont pas immutables Enfin, euh, j'ai pas regardé, mais euh, je connais plus PHP ouais. Mais euh, c'est bien, ça, 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 ça augmente la qualité du code. Mais euh, le mieux, c'est de faire un objet immutable directement. En Il fait, euh, suffit d'avoir un objet qui ne change pas. <laughs> On l'a vu. Yeah. Euh, bonjour, merci pour le talk qui était, qui était top et très drôle. Euh, euh, tu disais, euh, by design, partir sur de l'immutabilité pour aller vers la mutabilité sur les objets qui nécessitaient. Euh, quand on part euh, d'un framework Symfony, Laravel, ou à certains endroits, je ne connais pas tout en détail, mais il y a peut-être des notions d'immutabilité qui sont utilisées, mais ce pas la majorité de la composition ou du doctrine, etc. Euh, quel serait l'effort pour se dire je prends un framework, enfin je prends un Laravel ou un Symfony de base, mais je conçois l'ensemble de mon architecture sur l'immutabilité comme concept un petit peu maître voilà. euh, Est-ce que c'est ce que vous faites euh, Ou alors ça reste quand même euh, par petites touches Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois vous refaites un peu euh, la roue ouais, voilà. Ce que j'ai dit dans, dans ma con, c'est pas qu'il faut que tous les objets soient immutables. J'ai dit qu'au niveau de la conception, quand vous faites votre conception, Partez du principe que les objets mutables et s'il y en a besoin, vous les rendez mutables. Et, ben, par exemple, si on parle de symphonie, de doctrine, par exemple, les entités, de manière générale, une entité, euh, les sens censée changer, elle est censée muter. Fait pas d'entité immutable, tu vois, fait, rend les mutables. Et, euh, bon, je sais pas si, euh, nous, on, on, quand on peut le faire, ben, après, des fois, ça, 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 ça nous arrive qu'on soit bloqué par un framework, une librairie ou un truc comme ça, et du coup, on rend pas immutable. Mais dans le, la plupart des cas, si on peut et que, et qu''on doit le faire on le fait mais euh, c'est pas euh, je ne dis pas qu'il faut tout faire immutable ça du coup tu peux plus rien changer en fait. Je passe ça à répondu à ta question. Bah, du coup s'il n'y a plus de questions on va te remercier.